bon, en vrai, il n'y a pas de générique, mais cette musique se suffit elle-même, je pense. J'espère que oui. Et bonsoir, Twitch. Comment ça biche? La lumière, où est la lumière? Montrez-moi la lumière. Je l'ai allumée tout à l'heure. Où est-ce que j'ai mis la lumière? Ah ben, elle est là. C'est quand on terre... Ouh, fuck. Quand on cherche une télécommande... Il n'y a pas la bonne couleur. C'est assez compliqué. Est-ce que ça biche? Putain, je m'attache. Ah! Voilà. Bonsoir, bonsoir. Salut Venom. Salut tout le monde en fait. Hein. Et voilà, c'est bon. Tac. Salut Marion. Salut leur terpent. Asimette et tout le monde. Alors, Psychotech coup, j'en ferai une. J'en ferai une bien. Mais pas tout de suite. Pas lors du premier live. Du coup, on va pouvoir enfin faire Final Fantasy IX. Ça va être cool. Ça fait vraiment longtemps que je veux le faire en plus en live. Ah, Zach Nathan. Ben, moi j'arrive pas à savoir si c'est mon Final Fantasy préféré. Du coup, faut que je le fasse en entier. Alors, Lord Serpent, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu une quasi-égalité. J'ai voté. Mon vote vaut 25%, donc bah, j'ai gagné. On est d'accord, j'ai calme. D'après, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas eu le temps. J'ai pensé, mais non, j'avais pas eu le temps. Donc, faudrait que je regarde, effectivement. Ben, Venom, j'avais fait la démo de FF15. Les deux démos de FF15, d'ailleurs. Mais, en fait, FF15, j'attends qu'il sorte sur PC si je veux le faire un jour. Et je sais pas si je le ferai. Et je ferai le remake de FF7. Un petit pampa. C'est pas mon préféré niveau gameplay, c'est mon préféré niveau ambiance, écriture, scénario, musique. Donc il... ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est pas le meilleur niveau gameplay, mais tout le reste c'est tellement bon. J'ai trop hâte d'arriver à Renault. Je vais GG si j'ai réussi le défi de la corde à sauter. Il est super chaud. Alors, Zoo, FF12 est particulier. Et FF13 est considéré comme beaucoup comme le pire Final Fantasy. Donc, c'est dommage si tu as fait celui-là. C'est un couloir en fait. Bah Venom, moi les démons m'ont bien plu en fait, donc on verra. Ah, doublé, le doublage, c'est ça qui fait la qualité. Ouais, les jobs du 5 sont sympas. Jocinda, oui. Des retours globaux que j'ai, oui. Bah, franchement, si vous avez fait aucun Final Fantasy, c'est un bon début, je pense. Je ne mange pas, je précise, je mange des glaçons. Ce que vous entendez, c'est mes dents qui claquent. C'est pour ça que j'attends Final 15. Putain. FF7 avec les parties Gale Saucer, ça sent trop bien. Ouais, c'était le 13. C'est ça, Azou. C'était le 13. Et il est... Non, il est pas terrible. À partir du 10, franchement, moi j'ai arrêté de Final Fantasy.
Le 12, je l'ai trouvé sympa, comme je vous l'ai dit l'autre fois en live, mais pas voilà quoi. On pourra voter pour les noms des persos. Oui. Bien évidemment. On va pas se retrouver avec Jidan, Bibi et comment ça s'appelle? Daga. Il y a moyen de balancer un fan art du prochain Grand Corbeau ou tu préfères que je vite, faut pas spoiler. Vas-y, y a moins, aucun souci. C'est pas spoil tant que ça, je veux dire, voilà. Alors, Sky Master, j'avais beaucoup aimé le 8, moi. Mais je sais que masse de gens ne l'ont pas aimé. Il a des thèmes assez particuliers parce qu'il est très soap opéra, tu vois, très ado. Moi, j'aimais bien, parce que j'étais ado. Mais voilà. C'est pas grave, Jax. T'as beau être le deuxième joueur, t'es mon joueur détesté. Préféré. Le 8 est vraiment plaisant, moi, je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé le 8. Mais c'est ça qui est cool, en fait, avec les Final Fantasy. C'est que 6, 7, 8, 9, ils sont franchement tous bien. Mais vraiment bien. Genre, vraiment top niveau scénario et musique et univers et tout ça. Après, le gameplay, c'est autre chose. Je suis d'accord. Alors, je le regarde de mon côté. Putain, trop bien, c'est... Oui, c'est le personnage du manga. Ah, je sais plus le nom. Mais oui, c'est cool, il claque. J'espère qu'il va être appara il va apparaître dans quelques secondes. Ah! Elle est trop bien. Je sais plus comment ça s'appelle, mais. Phytos! Youssef! Phytos! Vinosek! Trop trop bien. J'aime vraiment 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 beaucoup ce. Une bulle. Allons, fais-moi une bulle. Allez. Allez, j'adore. J'adore quand tu me fais des bulles. Merci. J'aime bien. Merci, Grégor, pour ces belles petites bulles. Liberi Fatali. Liberty Fatali? Liberi Fatali? Je sais plus. Alors attendez, il y a un truc que je voulais regarder. En gros, il y a un walkthrough. Voilà. Attendez, attendez, attendez. Apparemment, on peut gagner le jeu du truc. Ah oui, mais c'est un cliqueur de merde. Mais c'est nul, j'ai pas envie d'utiliser un cliqueur. Non, mais y a pas un guide des trucs qu'on peut rater. Non. Non, dommage. Ah, oh, plus forcé que dans l'attaque des clones, t'exagères un petit peu. Ah, attendez, je vois qu'il y a un super truc. Je vois pas ce que ça fait. Ah oui, mais ça met un CTR de merde. Ouais, non, c'est nul. T'en vois combien par semaine du monster? Au moins 4, je pense. Alors attendez, full screen fixe. Je ne vois pas la différence. Bon, on va bien voir. On va lancer le jeu et puis voilà.
Il y aura plusieurs lives. Là c'est le premier. Allez, c'est parti. Hop. Attention au son, mais normalement ça devrait aller. Je crois qu'on se tape la vidéo de toute façon, donc on va passer. Ok. Je baisse le son. Est-ce que ça vous va avec les barres grises? Parce que attendez. Je pense qu'on peut dégager les barres grises. Hop. Les vieux messages SNCF là. Solidarité. Ça passe comme ça. C'est bien, non? Indulgence. Ça, c'est trop nul ce genre de présentation de merde. Allez. Nouveau jeu. Et je dois configurer mes touches aussi. Début de Link's Awakening. C'est les parents de Link. J'ai oublié que ça commençait par Daga. Cette chère daga. Ah, j'adore cette ambiance médiévale et steampunk. C'est ça qui est trop bien, quoi. Du médiéval steampunk. Lisa, ça reviendra dès que je pourrai faire plusieurs lives dans la semaine, donc fin décembre. Après le 18. Donc nous jouons Goku. Et sa queue. On ne voit rien ici! Y'a quelqu'un? On va changer ça vite fait. Alors, faut savoir que les tournages du Seuil de l'étrange ont commencé il y a quand même quelques mois. Et effectivement, ça a commencé. Par contre, si vous parlez des tournages des Carcasses mystérieuses, ça n'a pas encore commencé. Hein. Voilà. Attendez. Oui, c'est là. Ah, il y en a fait.
on peut passer l'intro des combats, ça nous fera gagner pas mal de temps, on verra. Message terrain, on va les mettre le plus vite possible. Couleur écran, oh j'aime bien la couleur classique moi. On va mettre la vibration, j'ai envie de vibrer mon dieu. Donc je précise qu'il y a des cheats qui sont activables en cours de partie et 3 cheats qui vont modifier entièrement la partie. Allumer la bougie au centre de la pièce. Non. Bam, 47 gilles, c'est comme ça qu'on joue les amis. Boum, une potion, bah oui. Aérothéâtre Prima Vista. Putain, 8281 tonnes. C'est l'aérothéâtre, c'est dans... C'était la partie de sombre qu'on a fait... Et moi je me rends vers. Allez, on va allumer la bougie. Allumer la bougie. Qui va là? Comment appelons-nous notre héros, bon lieu de merde? On a 8 caractères maximum, faites des propositions les gens. Hop, et nous allons voter. Quel nom pour Jidane? Alors, je vous dis ce que je retiens. Beat, ça j'aime bien. Kev Adams, non. Bidule, c'est un peu bizarre parce que c'est un mec, non? Humain à queue, c'est... Ah oui, c'est marqué en haut. Tub, j'aime bien. Jonathan. Solaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quel beau nom. Sephiroth. Kevin. Bitoun. Carapuce. Apathy. Pénipoilu, c'est trop long. Zéphirote. Monsieur fils de pute. Bibit. Clodomal. Zizi dur. Soma. Monsieur balèze. Tulmouche. Putain, il a vénère. Il a l'air vénère sur l'image. Bon, allez. Vous avez le choix entre ces trois-là. Hein, c'est pas les choix les plus ouf du monde, on va être honnête. Mais c'est les vôtres. Attendez, on va mettre un truc qui ressemble un peu plus à l'ambiance. Bitoun l'emportait jusqu'à ce qu'il perde. Ah, c'est Bit qui l'emporte. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est Bit qui l'emporte. Notre héros s'appellera donc... Bit. C'est moi, Bit! Putain, il faut l'appeler. Bit, es-tu encore en retard? Désolé, le chef est arrivé? Non, pas encore. On a tous la même voix. Oh putain! Les graphismes sont vraiment... super joli, ils ont mis un espèce de d'effet texturé qui est pas mal. La musique du monde. Enfin, des combats, mais... Donc toutes ces scénettes-là, on les fera passer par la suite. Donc là, c'est les combats, là. Donc on peut attaquer, défense, voler. Donc là, on va faire voler, parce qu'en fait, il a un objet. En gros, la compétence voler est très pratique au début, d'ailleurs. Surtout dans les combats. Donc nous, ce qu'on veut, c'est poigner. Ben voilà, c'est... C'est bon, ça a été volé, donc là il n'y a plus rien à voler. Donc nous pouvons l'attaquer en masse. Et donc, l'un des intérêts de ce truc, c'est que voilà, il y a un mode auto, vous voyez. Et un mode accélération. Attendez. Attendez, j'essaie de trouver le mode accélération. Voilà. Ma tête. Ah, vous m'avez fait mal. Voilà. Donc on peut accélérer les combats et les mettre en automatique. Trop bien, non? Ah. Gérable.
j'avais fait des progrès. Allez, tout en réunion. Mais en vrai, les modèles 3D sont vraiment très jolis. Voilà le plan pour aujourd'hui. On va à Alexandrie. Et l'objectif de la bande des Tatanlas est d'enlever la princesse Grena. Et bon, je vous explique. Nous allons bientôt arriver à Alexandrie. Une fois qu'on aura atterri, on fera comme si de rien n'était. Et on leur jouera la fameuse pièce de veut être ton oisillon. Marcus, on compte sur toi, tu as le rôle principal. Je ferai de mon mieux. Mais Franck et Bit sont les vrais héros de cet événement. Enlèvement, pardon. À l'entraque, je la chasse sur les spectateurs. Je tiens à dire que j'aime pas ces bestioles. Mais bon, je ferai avec. Et c'est là que t'interviens, Bit. Je pige. Pendant ce temps-là, j'enlève la reine Branett. J'enlève la reine Branett. On va le faire, attendez. Donc il suffit de le faire 100 fois, hein. Et nous allons débloquer... un succès, mais surtout une scène supplémentaire. La cutscene vaut le coup, vous allez voir. N'inquiétez pas, c'est en accéléré, ça passe vite. Non mais c'est très court, hein, vous inquiétez pas. En accéléré, ça passe bien. Le héros relou. Mais je comprends pas, qui c'est qu'on doit enlever? C'est la Branette ou Po? Est-ce que... Mais qui c'est? J'ai pas Branette. Ça va être rapide, vous inquiétez pas, les gens. On peut discuter. Ah, sur PS1, il y avait pas le mode accéléré, là. C'est vrai qu'on aurait dû appeler le héros Jex. Bit, tu es énervant à la fin! J'ai pigé, pendant ce temps-là, j'enlève la reine Branett, exactement. Il n'y arrivera jamais. C'est cette scène-là ou pas? Je m'en rappelle plus. On peut renommer les invoques? Ouais, en fait, le vrai jeu, on ne l'a que si on débloque ça, hein, les gens. Tu peux tout renommer. Même ma... En vrai, c'est 1000 fois. Non, c'est pas 1000 fois, c'est 100 fois. Vous mentez. Elbrout. Les suds des nécro... Oh, ça arrivera, ouais. Steiner, je l'aime bien. D'ailleurs... Ouais, non. Non, c'est pas mille fois. Là on a dépassé les... On arrive bientôt, hein. Ne vous inquiétez pas. Je réponds à vos questions, de toute façon. Imaginez qu'il n'y a pas le jeu et qu'on est en train de discuter. C'est beaucoup plus simple pour vous. Ou Quina, ouais, c'est vrai. Mais je pense que vraiment... Final 9, en fait, comme il est très médiéval fantastique, il y a beaucoup de gens qui se sont concentrés sur le fait qu'il était différent de Final 7. Tout le monde voulait un Final 7 après Final 8. Ce qui était débile, puisque Final 7 est unique, et c'est ça qui fait qu'il est bien. Mais par exemple, celui-là, moi, je le trouve vraiment mieux, enfin mieux, niveau ambiance, parce qu'en fait, on a quelque chose qui est vraiment top niveau... Enfin, là, on a une ambiance vraiment médiévale. Non, mais c'est pas 1000, arrêtez. Sinon, j'arrête maintenant. Je crois qu'on est à 30. Imaginez que je suis un streamer... comment ça s'appelle? Alors, Monsieur Balèze, ça sera l'année prochaine, hein, le retour.
médiévalo steampunk, voilà. Et ça, c'est un univers trop classe, quoi, qu'on voit rarement. Alors, justement, Jex, je pense que tu diras, oui, mais du coup, il y a Divine Divinity qui est un peu comme ça, je crois savoir, mais c'est vrai, quoi. Mais c'est rare. Tu as passé, c'est juste le truc de Ruby, oui. Ah, bah alors c'est bon, bah dites-le-moi. J'enlève la princesse Rena. Exactement. Notre cible, c'est la plus belle princesse de l'histoire d'Alexandrie, la belle Grana. Bah non, mais il fallait me le dire que j'avais vu la scène. Je savais plus si c'était ça. Du coup, on s'est tapé de la merde pour rien. Vous êtes bêtes. À 100, ça s'enlance Sonic.exe. Et là, best personnage ever. Et en même temps, Bibi, on aurait pu l'appeler Bibit. Enfin, on pourra. J'adore ce personnage. Oh, mais c'est Bibi 300. Mais regardez-moi ça, quoi. Putain. Tellement classe. Fucking bateau volant, là. Ouais, putain de ville trop classe. Putain, à l'époque, ça, je peux vous assurer que ça envoyait du putain de pâté. J'avais le guide officiel du jeu, qui était un des plus mauvais. Parce qu'il disait pas tout et il disait des trucs faux. Le guide officiel, c'est généralement de la merde. Après, c'est des beaux bouquins, quoi. J'en ai un sur Metal Gear Solid 5, qui m'a été offert par Konami. Merci à vous, d'ailleurs. Ah, attendez, j'avais réactivé le... Ça va ? Tiens ton billet. Au revoir. Donc alors attendez, est-ce que je peux... Voilà ça. Donc là, vous pouvez visiter toute la ville. Mais il y a plein de trucs à faire. Regarde. Voilà, j'ai bientôt fini. Oh la mamie, c'est moi. Alors, Dylan n'est pas prêt, va voir ailleurs si je suis. C'est tous les ans la même chose, la petite fille veut être belle et c'est tout ce qui compte. C'est toi, Lia, ta robe est bientôt terminée. Elle se gratte le cul. Il y a plein d'objets à trouver. Vous avez récupéré les 9 gils économisés par la grand-mère. Oh non, comment ils essayent de me... Comment ils essayent de me... De m'humilier. Alors attendez, on peut configurer un truc par contre, c'est... Déplacement... Courir, voilà. C'est-à-dire qu'on ira quand même plus vite. Obtenu potion. T'as un vol les habitants directement chez eux, quoi. Horrible. Alors attendez, je vais retirer aussi le placement parce que ça chie un peu dans la colle, le pointeur. Ouais. Non. Ça, c'est. C'est pas ça, c'est pas le pointeur. Icône ici, voilà. Voilà, on est mieux là. On vole chez les gens. Carte mail. Alors oui, ça c'est un truc assez important de Final Fantasy IX. Il y a un jeu de cartes. Donc dans le 8, il y en avait un, mais là c'en est un autre. Et il est... Ah non, il est très cool. Il fait mal à la tête ce dessin. Je sais pas quelle voix lui donner à lui. Et oui, le jeu de cartes est très cool. Et assez dur. Hourra ! Potion. Donc vous voyez, il y a plein de trucs à fouiller en fait. Et ça, c'était un des trucs... Oh oh. Ça, je crois que c'est... Ah, tu vas pas que tu gênes ! Et donc, il y a plein de trucs à fouiller. Et moi, c'est un truc qui m'a fait... Oh, ça suffit. Bon, aujourd'hui, il faut encore que je me prépare pour aller au théâtre. Et donc vous voyez, il a l'icône à droite là. Ce qui veut dire que vous pouvez jouer aux cartes avec lui. La voix de San, ah, c'est une très bonne idée, Mister Judge. Il aura cette voix-là. La voiture, mon junior. Il avait un peu cette voix-là, je sais plus. Honorable visiteur de Traîneau, le château d'Alexandrie est par ici. Mais c'était Traîneau. Putain, c'est un putain de pingouin, le mec. J'avais même pas fait gaffe.
Putain, j'adore ce style de tout. Ah, il fait caca, une carte flambos. Il va falloir être courageuse. Il y a plein de backstory qui avancent. Moi, c'est un des trucs que j'adore, c'est que les backstories ne sont pas... Que... Attendez, j'ai pas lu. Il va falloir être courageuse. Elle disait quoi? Elle a pas lu. La journée va être longue, mais bon, ça sera la dernière. Je pensais aller voir la pièce, mais cette idée me donne le cafard. Hop. Bon, on amasse. Donc je précise que je suis obligé de fouiller. Parce que il nous faut toutes les cartes. Hein, Il paraît qu'il y a des nobles sur leur place. Cette tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Estelle Dalion Shadow. Pseudo compliqué, mais ouais. Elle est noble, vraiment, je suis père. Attendez, gars, là. 33 Jills. Donc, ouais, c'est les Jills, la fameuse monnaie des... qui ne veut rien dire des Final Fantasy. Oh, tu as une place pour la représentation de ce soir? Il faut que tu passes à la caisse sur la place. S'il ne te tamponne pas ton billet, tu ne pourras pas rentrer au château. Je te crève les yeux, moi. Dag Kinkairi, potion antidote, nez. Dag Kinkairi a tout ce qu'il vous faut. Merde, pardon. Putain! Je m'a trompé. Bonjour. Donc là, vous pouvez acheter des choses, vendre des bidules. J'ai déjà plein de trucs, putain, j'ai déjà 13 potions, 2 éthers, 2 remèdes, 1 tente, 2 maxi potions, 2 remèdes, 1 résurex, 1 poignet. Putain, je pensais pas. Bam, 33 gils directement dans le magasin, quoi. Hop. Tu aimes les fleurs? J'aime beaucoup les fleurs. Les fleurs d'Alexandrie sont vraiment très belles. Les musiques, putain. Et qui veut mes fleurs? Elles sont belles et pas chères. Je vends aussi mon cul. Érigé en 1601 en l'honneur des trois Brutos pour leur action dans la 15e guerre de Lindblum. 15e. Personne ne trouvera mes trois cartes fétiches. Je crois qu'il les a mis à un endroit random. Bam, un Resurrex. L'entrée est réservée aux nobles et aux personnes ayant un billet. Mais j'ai un billet. Donc on veut pas rentrer tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Quelle épée je vais prendre une visite? Oh, regardez sa tête, elle est horrible. Lui, il a pas été refait. Je devrais être fermé, mais le petit gars n'a pas l'air de vouloir rentrer chez lui. Oh, fuck. Ça va faire 30 ans que nous sommes mariés et j'ai enfin réussi à avoir des places de théâtre. Je suis si contente. Et ce soir, j'emmène ma femme au théâtre, alors on fait plutôt que d'habitude. Merde. Bah, mais bah, moi je vole ton éther. Alors, oui, dans les Final Fantasy, ils prennent de l'éther pour récupérer de la magie. Ce qui est assez conceptuel en soi. Je veux être ton oisillon, l'œuvre qui enchantera le bon peuple de Lindblum et de retour à Alexandrie à bord du Prima Vista. Ne ratez pas cette représentation unique donnée pour les 16 ans de la princesse Grenat. Pour plus d'enseignements, s'adressez à la caisse.
Donc là, on va pas s'approcher de la caisse. Hein. Ce n'est pas notre but. Alors là, le pire... Tu veux jouer ? Donc là, c'est une horreur. C'est une horreur. Je sais plus c'est quoi ce qu'il faut faire comme score, mais c'est ultra dur parce qu'en fait, le rythme change, regardez. J'étais parti pour faire les 20! Mille fois. Arrêtez avec le mille. Faut faire 20 fois. T'as pas de slow mode. Ah, ça serait une bonne idée, mais non, je crois pas. Il y a un mode accélérant. Bam! 20 fois! Plus! Pardon, Estelle, mais je reviens jouer quand tu veux. Eh, j'ai gagné le succès. J'estime que j'ai gagné, il n'y en a pas d'autres. Finalement, fais-le en face mode, sinon t'es pas un vrai. Quoi? Et vous n'avez plus de chambre? J'ai vraiment désolé. C'est impossible! J'en avais pas encore réservé une! Ah! Bam, 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 bam. Les gens de la ville me font peur. Je sais pas quelle voix lui donner. Voilà, voilà, poussez-vous, s'il vous plaît. Désolé, mais je n'ai plus de chambre disponible. Ah, je suis déporté. L'aubergiste, c'est un poisson. Et alors ? Bande de racistes. Putain, la meuf s'est téléportée. Trop bien ça, ce qu'il y a. Oh, waouh! Des nobles, c'est des nobles! Des nobles, des nobles! Y'a un autre truc, non? Non. Là, on va se faire niquer la gueule. Je vais pas me déranger pendant que je travaille. Cette échelle, les gens, cette échelle est d'une importance capitale. Ouverture du bonnet, entrée internet. Soit d'accord, classement premier 20 fois. Brut. Deuxième 13 fois. Brut. Troisième 4 fois. Brut. Moi, c'était pas terrible, 4. N'empêche que je suis le meilleur du monde, ils l'ont clairement dit. Une corde d'or, mais 1000 fois, mais vous êtes fou. Non, mais 1000 fois. Même 30 fois, j'aurais du mal. 20 fois, j'en ai chié. J'ai obtenu un LASIK, donc c'est, vous savez, c'est l'opération des yeux. Que Eric a fait, d'ailleurs. 3G. Ah, putain, j'ai volé la thune d'une petite fille, quoi. Est-ce que je suis pas une putain de grosse enflure de merde? Putain, c'est trop triste. À 100 fois, t'as la carte Alexandrie. 100 fois, c'est chaud. Non, non, alors ça penche, je n'ai pas de guide. Je ne fais que visiter et cliquer à bon vent. Hey, les gens laissent leur porte ouverte. Voilà, ben, tu veux entrer au château en bateau? Rêve pas, hein. J'ai déjà essayé l'année dernière, mais il y avait des soldats partout. Les bateaux d'aujourd'hui volent grâce à la brume, mais un bateau, c'est fait pour aller sur l'eau. J'ai perdu mon petit chat. Si tu le vois, tu me préviens, d'accord? Bien sûr, merci. Je me rappelle plus du tout le coup du petit chat. Mais c'est peut-être... Il y a un truc avec la porte, là. Go, l'entrée de la ville pour le chat. D'accord. On va aller faire le chat. Pétapo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 tap
C'est ça, c'est son chat. Mais Maxime, c'est pas un chat, c'est un pigeon. C'est la même chose. Ah bah oui, putain, j'avais oublié cette chose. Ah, il est horrible, son chat. Ah, tu l'as retrouvé. Non. Minou, minou. Mais je l'ai pas retrouvé, je suis arrivé, j'ai cliqué dessus. Tu t'aurais pu le retrouver aussi. Merci. Bam. Ça, c'est une quête. Rondement menée. J'ai de voir des nobles devenir au théâtre avec Sandrine tous les ans. Tu n'es pas un enfant de la rue, mais tu n'es pas non plus notre monde. La représentation ne devrait-elle pas tarder à débuter? Par ici, vous sortez de la cible. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Alors, statue érigée en 1389 en l'honneur de la générale Madeleine pour son action lors de la 9e guerre de Lindblom. Âgée de 13 ans et à la tête de 9 hommes, elle combattit les armées de Lindblom. Son action redonna courage aux troupes épuisées d'Alexandrie. Elle mourut trop jeune, en 1400. Voilà, il y a beaucoup de... En fait, dans le jeu, il y a beaucoup d'héroïnes, notamment une qui est Béatrix, qui est un des meilleurs persos, sont des meufs et sont des putains de guerrières, quoi. Et donc ça, je trouve ça cool. Putain, j'avais oublié ces cartes-là. Et oui, des gardes sexy. Et des trucs derrière la statue. Attends. Faut que j'ai pas chopé ou... Merde. Capitaine McChicken, ça fait 44 minutes que le stream a commencé, mais ça fait pas 44 minutes que je joue. Eh bien, nous sommes prêts, nous pouvons aller là, je crois. Attendez, il y a un truc juste à côté. Non ? Je m'approche de la caisse. Ah non, attendez, faut que j'aille voir la souris, non? Je sais plus ce que je dois faire en fait. Alors, ce Final Fantasy est sorti sur PlayStation 1, il est jouable sur PS Vita, et cette version est jouable sur PC et PS4. Arrête de faire ça, enculé! Je veux qu'il y ait la meuf. Peut-être qu'elle est là. En fait, je crois qu'on y a... Voilà. Ah, c'est encore toi! Ah non, elle fait rien. Excusez-moi, je crois qu'elle fait un truc. Ah oui, c'est là où il y a un mug. Non? Je sais plus. Il y a une corde qui pend. Je tire dessus. Oh, il est trop chou, le petit coffre. La carte diabolique, une des cartes... Regarde l'hippo. Carte d'Ovelin. La carte Maiden. Et c'était pas trop chou, le petit coffre qui est tombé. Alors on peut avoir les mêmes cartes plusieurs fois. Par contre c'est moi ou... Ouais, les contrôles sont particuliers en fait. What? L'hippo est mort? Bon tant pis, on va faire la mission. Hein. Ah attendez. Non. Je m'approche de la caisse. Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà mon billet, c'est quoi la pièce d'aujourd'hui? Parle-moi d'Alexandrie. Parle-moi d'Alexandrie. Depuis que la reine Branner règne, il fait bon vivre en Alexandrie. C'est quoi la... Cette année, on donne Je veux être dans mes yeux, la pièce est jouée par la troupe des Tantalas. Voilà mon billet. Mais c'est un faux! Tiens, il est bizarre ce billet. Eh mais c'est un faux! Il y en a plein en ce moment. Oh non! Oh non! T'arrives pas à faire ça. Eh, c'est pas si grave que ça, je comprends que tu sois déçu, mais tiens, c'est pour toi, pour te consoler. Carte gobelin, carte maiden, carte squelette,
Si tu veux en savoir plus dans les cartes, va voir Jack dans la rue. Le mec m'initie aux cartes quand même. Bam! Oh! Oh, c'est pas vrai, cette enseigne ne tient jamais. Pff, voilà, ça devait tenir. C'est fini pour aujourd'hui. Le petit fils de pute vient par là. Et toi, elle t'envoyait c'était un faux, là, pas vrai? C'est toi, Jack? Non, j'étais pas un voleur, moi. C'est pas le problème. Si tu deviens mon serviteur, je te montrerai comment voir la pièce ce soir. Tu veux devenir mon serviteur? D'accord. Ah, très bien, alors t'es la mobile. Va surveiller le bout de la rue. Y'a quelqu'un qui vient? Ouais, personne. Allez, on suit le plan. Salut, Jack. Putain, il a quatre bras. Excuse-moi, mais c'est toi, monsieur... Ah non. Excuse-moi, mais c'est toi, monsieur Jack. Et comment tu te cèdes, toi? Si tu m'appelles Jack, c'est que tu veux jouer aux cartes, c'est ça? Quoi, tu connais pas les règles? Tu veux que je te les explique? Pourquoi pas, j'ai réglé toutes mes affaires de la journée. Allez, viens. Mais voilà, je... carte. D'abord, le manuel du débutant. Pour jouer aux cartes, tu dois en avoir au moins 5. Tu peux jouer avec n'importe qui jusqu'à parler aux gens en appuyant sur la touche X. Mais il y a aussi des gens qui ne jouent pas aux cartes. Comment on joue? Pour jouer aux cartes, d'accord, ça on s'en fout, voilà. C'est quoi les règles? Bon, maintenant je vous explique comment se déroule une partie. Les joueurs posent leurs cartes sur un tableau de 4x4 cases. Parfois, la carte d'un joueur passe à l'adversaire. Tout le secret est dans les triangles jaunes. Quand un triangle pointe vers une carte adverse et qu'elle change de couleur, elle est aussitôt à toi. Si tu poses une carte de telle façon que l'un des triangles se trouve en face de celui d'une carte de ton adversaire, il y a bataille. C'est quoi une bataille? Il y a autant de batailles que de triangles qui se font face. Dans ce genre de situation, tu peux choisir la carte qui participera à la première bataille. Ton avantage dans la partie dépend de tes choix. Ensuite... Ah oui, ensuite il y a les combos. C'est quoi les combos? Allez, on passe au manuel du technicien. Il faut surtout faire attention quand il y a une bataille. Si ta carte bat celle de ton adversaire, tu gagnes toutes les cartes qui sont en face de chaque triangle de cette dernière. C'est ça un combo. Par contre, si la carte de ton adversaire gagne, tu perds toutes les cartes qui sont perdues en face des triangles de la carte qui a perdu. Bonne chance pour les 100 fautes. C'est quoi 100 fautes? Je t'explique le 100 fautes. Normalement, quand on gagne, tu prends une carte à ton adversaire, mais si toutes les cartes du tapis sont à toi, c'est 100 fautes et tu lui prends ses 5 cartes. Je te souhaite d'atteindre un bon niveau. C'est quoi un niveau? Je t'explique. Quand tu auras le temps, on va voir la rubrique carte du menu. T'as un truc appelé niveau, tu vois. Plus t'as de cartes, plus élevé, c'est aussi simple que ça. Ah non, je sais pas comment t'appelles le dernier niveau. On fait une partie? Oh, tu veux jouer? Oh shit. Avant tout, il faut choisir les 5 cartes que vous allez utiliser pour jouer. Donc voyez, là, elles ont toutes des flèches. Plus elles ont de flèches, mieux c'est. Donc, par exemple, admettons, celle-ci, elle a plein de flèches. Celle-ci a plein de flèches. Celle-ci, elle est bien pour mettre dans un coin, par exemple, voyez. Celle-là, elle est un peu chaude. Ne vous inquiétez pas, les règles sont relativement simples. Celui-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Allez, on va dire qu'on est prêt, c'est pas très grave. La partie commence. Quand vous posez une carte sur le tapis, toutes les cartes d'un adversaire faisant face aux autres peuvent devenir les vôtres. Donc, vous voyez, en bas, le petit triangle est là. Si lui, il a pas de triangle, il n'y a pas de bataille. Donc là, on va se blinder. Notre but, c'est de prendre sa carte, mais aussi de ne pas en perdre. Donc par exemple, celle-ci pourrait la prendre, et c'est relativement blindé. On va essayer, on va bien voir. Ah oui, mais il y a une bataille. Je sais pas comment ça se passe. On va pas essayer de faire du mal à sa carte, on va essayer de blinder notre terrain. Donc on va faire ça. J'ai pas compris. Quand vous avez posé toutes vos cartes, la partie est terminée, la carte ça fait. Alors pourquoi 0M00 est plus fort que 0P00, je ne sais pas. Ça
n'a pas de sens pour moi, mais s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Je ne sais pas quoi faire. Elles sont badass ces cartes, non? Par rapport aux miennes. Bon bah écoute, on va faire ça. No lo comprendo, hein, vraiment. On se fait démonter la gueule. Donc je suppose que ma carte là n'aura aucune puissance. Attendez, je vais essayer de... Mais ça, ça l'a pas. 13, 1. Voilà. Donc évidemment, il me prend une carte. Donc on va faire non, hein. J'ai tout compris. On m'appelle Jack, d'ailleurs, on m'appelle autrement, mais ce sont toujours des fous. Bon, voilà, non, je te le dirai quand tu seras plus fort. Voilà, au début, franchement, ça sert à rien de jouer. Merci. Au début, ça sert à rien de jouer, parce que vous allez juste perdre les cartes. Comme je viens de le faire. Par contre, au bout d'un moment, vous êtes tellement craqué que vous allez tout gagner. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, on suit notre gamin. Ah, dépêche-toi! Merde! Putain, je me suis gouré. Les contrôles sont un peu bizarres. Je sais pas si c'est bien. Premier chiffre, niveau de l'attaque. Deuxième, type de dégâts. Troisième, défense. Je pense qu'il y a une vraie logique. Je pense juste que là, j'ai pas suivi. Maintenant, il faut aller là-haut. Compte devant. Alors, attendez, parce qu'en gros, il y a un truc. Je crois que ça a débloqué le chemin là, non? Non, je peux aller lui parler, il y a rien, je crois. Merci, tiens, c'est pas vrai. Si, il me donne carte succube. Je vais regarder la pièce depuis mon toit avec mon chat. Voilà. Comme ça, on peut faire la suite. Donc là, nous allons monter en haut. C'est ça? C'est le chat. Boum! Et là, il y a un mari. Et qu'est-ce que tu fais? Je t'ai fait porter sur les Kubo. Ah, c'est Kubo, le mag! Kubo. C'est mon premier serviteur. Allez, il faudrait bien vous entendre. Bonjour. Pour m'excuser, je vais écrire une histoire dans le livre des mocs. Si tu veux faire une sauvegarde, parle à un moc, Kubo. Si tu as une tente, nous pouvons aussi te régénérer. Tu as compris, Kubo? J'ai compris. Je pense que nous nous entendrons bien. On monte! Badass le petit souris sauveur, hein, je tiens à le dire. Monter une échelle, on prend une autre échelle. C'est pas donné à tout le monde. Hé, hey, dépêche-toi, monte! Kubo est là? Kubo, Steel Skin, mais tu repars, Kubo? Oui, mais ce voyage risque d'être plus long que les autres. Oh, tu vas vraiment, Kubo. Ne t'inquiète pas, je t'écrirai. Dakubo, à bientôt. Tu salueras Mokta et tous ceux du château de ma part. Trop chou. Ils sont trop chou, les Kubo. Les Mog. C'est un ami à... C'est un ami à toi? Exact, Kubo. C'est un ami voyageur. Hé, je t'ai dit de te dépêcher. Tu veux faire une sauvegarde? Donc on a la Mokpo. Je vais t'expliquer la Mokpo. La Mokpo, c'est un réseau de communication par courrier entre Mok. Par exemple, grâce à cet expérience système, un Mok peut envoyer une lettre d'amour à sa copine Mok et elle peut à son tour lui répondre « Je suis désolé, mais... » en ce moment, il y a de moins en moins de Mok facteurs. Alors, je voudrais te confier ma lettre. Peux-tu porter ma lettre? Ok, j'accepte. Kubo, j'aurais une chose à te demander. Peux-tu porter ma lettre à Moglière? Ok. Merci beaucoup. On sauvegarde. Boum, il sauvegarde. Nous allons mettre notre doigt dans la fente. Non, sauvegarde dans la fente. Et nous allons monter. Allez, si on se dépêche pas, on va rater le début de la pièce. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêche-toi. T'as pas le vertige quand même?
Ah, t'inquiète pas, je suis vite pensé que c'est pas où. Très bonne logique. Ah, mais on n'a pas le temps de se reposer. Quoi encore? Je t'ai dit que c'est bon, c'est solide, ça tombera pas. Elle s'est tombée. Alors c'est rien, fais pas attention. C'est un gros enculé. C'est un gros enculé. C'est un gros enculé de merde, le sourire. C'est un gros enculé de... Au fait, je t'ai pas encore demandé comment tu t'appelais. Les gens, il est temps de voter pour le nom de Bibi. Quel nom pour Bibi? Faites des propositions sur le chat. Bibi, tu m'essaies trop vas-y. Bah oui, je suis d'accord. On va mettre Bibit, mais Bit et Bibit, ça va être compliqué à comprendre. Dudul, j'aime bien, hein. Phallus, c'est pas mal. Éponge à foutre, c'est pas mal, mais c'est 8 caractères max. Dark. Chapeau beat, c'est trop long. Prépuce, j'aime bien. Macha Béranger, mais quoi, mais pourquoi? Bien, j'aime bien. Allez, il y en a 5, vous votez. Ah, Dudu l'emporte, apparemment. Pas vraiment... Jusqu'à 5, mais là je pense qu'il n'y a même pas besoin de compter. Hein. Aucune chance que les autres marchent. Eh bien, c'est Dudul qui l'emporte. Dudul? C'est marrant comme nom. Moi, c'est Puck. Et ça rime avec fuck. Je peux pas aller là? Pourquoi je peux pas aller là? Ah, c'est au niveau du dessous. Parce que forcément, comme tous les finals, il y a pas. T'as 92 Jill dans un nid, quoi. T'imagines trouver 92 euros dans un putain de nid d'oiseau? On est enfin arrivé. Après ce mur, on sera dans le château. Allez, on y va. Fin de l'intro. Tellement classe. Les gens qui viennent sur les toits et tout, c'est trop bien comme ambiance.
Steiner n'est pas encore dans le jeu, genre. Ça, c'est la reine, hein, les gens, si vous ne saviez pas. Elle a une tête un peu particulière. Et on l'aime. Et ça, c'est la princesse. Mais ça, on le savait déjà. Et ça, derrière, c'est Steiner. Il est trop bien. Vous avez vu que le bâtiment reprend la forme de lui. Très chers spectateurs, la pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. Les ruines de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus sont sur le point d'être séparés. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lyr. Les pièces de ce soir commencent alors qu'ayant appris cela, Marcus envisage de tourner son épée contre le roi Lyr. Et à présent, votre majesté, vous, princesse Grena, noble assistance, et vous qui nous regardez du haut des toits, je vous demande d'applaudir très fort. On va passer à... Il a tué son père, sa mère, et à présent, il veut briser son amour. Oh, c'est le malheureux. Pauvre Marcus, quel espoir te tient en vie à présent? Pour d'autres amis, nos lames auront-elles raison de l'exécrable roi Lyr? Oui! Oui! Voici, compagnon. Laissez-le-moi. C'est impossible. Il a assassiné mes frères. N'approchez pas, misérable vaurien. Nul ne résiste à ma vaillante épée. Ceux qui la feront disparaissent dans les ténèbres. On va lire, voit la douleur qui habite le cœur et reçoit sa souffrance. Trop bien. C'est le thème de Final 7, on dirait. Alors. Je sais pas si on peut. Illusion météo. Illusion brasier. Illusion sidérant. Illusion. Donc ça, c'est des fausses attaques. Fait pour le show, quoi. Ça fait des beaux effets qui font plaisir. Je crois pas qu'on puisse le voler là. On peut le voler dans la première, mais pas là. Mais si Ada, le début du thème est le même. Mais pas après. Jamais tu n'auras mon pardon, Marcus. Je sais pas si ça passe tout seul ou pas. Non, ça passe pas. Arrête. Pourquoi n'arrêtes-tu pas, Frank? Vite, reprends-toi si la princesse Cordelia épouse le prince Schneider. Nos deux royaumes vivront enfin en paix. Bon sens, s'il te plaît, il n'y aura pas de situation plus malheureuse de par le monde. Best music ever. Un
Best music ever, voilà, flamenco. Je sais plus quand c'est. Voilà, flamenco. Je sais plus. Fais ça, si nous battrons, je n'entendrai pas moins. Ouais, c'est super perturbant. Parce que... ils font des rythmes. Merde. Fini, on se combat une autre fois, tu ne seras pas sans fuir. Ouf, 68%, c'est pas terrible. Apparemment, l'arrêt n'a pas aimé. On recommence, il nous faut au moins du 70%. Allez, on y va. Début des QTE, hein, c'est déjà récent. C'était une des premières QTE du monde, je pense. Après, le fait qu'il y ait une excellente musique, ça... je sais pas si j'ai fait 100%, mais... 100% des gens ont apprécié. Apparemment, la Red Brunet a beaucoup aimé. Blu, deuxième essai. Allez, ça suffit. Votre performance rapporte 10 000 jills. Bri. T'as fini de te changer, bite? Non, mais mon casque. Oh, il pue un peu. Et alors, le mien aussi, et pas qu'un peu, tu peux me croire. Et puis, l'armure est trop petite. Il y a un truc qui me gêne dans le dos. Les bottes sont trempées. Les gants sont poisseux. Les poches sont pleines de miettes de biscuits. Ça va, j'ai quand même pris. T'as pas oublié ce qu'on devait apporter? Bien sûr que non, pour qui tu me prends? Petite créature. Ok, je vais mettre le somnifère dans la tasse de la princesse. Et moi, je vais donner son cadeau à Sa Majesté la Reine. Et ça a l'air d'aller dedans comme des bébés. Fait le point. La loge royale est en haut de cet escalier. J'ai grimpé après. Ils en sont bientôt à la scène où Marcus s'introduit chez Cordelia. Le travail doit être terminé avant la fin de la pièce. Rien à foutre de tes merdes. Capitaine. Ma maman. Il n'y a pas de... Ok, pas d'objet. Voilà quelqu'un, planque-toi. Quelque chose à signaler? Non, tout est normal. Allez, très bien, continuez votre ronde. À vos ordres. Des pulls du chouet, c'est ça? Oh shit! Oh, une sorcière! Qu'est-ce que ce cause de Guzman? Pardonnez-moi, mais pourriez-vous me laisser passer? Hein? Ça. Aurais-je quelque chose sur le visage? Non, mais... je me demande si c'était pas toi que j'attendais. Pardon, vous m'attendiez? Ouais, depuis ton naissance, j'ai toujours su qu'on se rencontrerait ici. Jouiriez-vous de moi? Non, pas du tout. Alors je vous en prie de m'excuser. Attends, on s'est pas déjà rencontrés? Non,
Pardon. Ah, puis, non, je vois pas pourquoi je laisserais filer une jolie fille comme toi. Au fait, tu serais pas... Pete, qu'est-ce que tu fais? Je... Pardonnez-moi! Qu'est-ce que c'est que c'était? Reste pas là sur la princesse! Quoi? C'est horrible! Puis l'efface. C'est dramatique! Sa Majesté ne va pas être contente! Dépêchons-nous! Putain, le tableau de fond fait peur. C'est horrible! C'est horrible! Ce n'est pas par là! Je sais bien! Vraiment! Vrai de vrai! J'en doute. Vous n'avez pas d'en douter! Et pour l'instant, nous avons Sa Majesté! Ce n'est pas par là! Je le sais bien! Vraiment? Vrai de vrai! J'en doute. Vous n'avez pas en douter! Attends-nous d'aller voir Sa Majesté! Les deux relous, tellement. Votre Majesté, c'est une catastrophe! Elle ne veut voir personne! Revenez plus tard! Est-ce urgent? Exactement! Je dirais même, c'est une urgence urgentissime! Alors je vais m'en occuper. Ah oui, s'il vous plaît! Arbiat, mêle-toi de tes affaires! Alors de quoi s'agit-il? La princesse! Elle est introuvable! C'est horrible! Je vois. Attendez-moi là. La princesse revenait plus tard! C'est que la princesse a disparu. Vous voulez dire qu'on ne l'a pas vue depuis un certain temps? Il semble qu'elle soit partie très vite avec le pendentif du trésor national. Comment? Mais à quoi pense-t-elle? Général Beat. À vos ordres. Ah oui, et puis Il faut nommer ce personnage. Les gens. Proposer des noms pour Steiner. Canapé n'est pas un nom, Brut non plus. Il ressemble pas du tout à Eric. Grudu, bon. Poil. Poil j'aime bien. Trop bien Ghost. Merde, elle est trop bien. Tu peux me la tweeter. Depriman Knacky Vulvamax. Allez, Gunther, ça passe aussi. Non, Bartholomew, ça passera pas. Non, ça passera pas. Bon. Brakmar, j'aime bien aussi. Là, c'est des putains de musique sublime en arrière-plan. Allez, votez les amis. Trop bien ce word. Énorme. Je l'avais pas vu. Ah, c'est serré là entre Gunther et Brakmar. Hein. Ah, plus trop en fait. Bon, c'est Brak. Eh putain, c'est pyramidal. D'ailleurs, en parlant de pyramidal, saviez-vous quoi? Allez, c'est parti pour Brakmar. Capitaine Brakmar, à vos ordres. Entre Wagon, allez, vite. À vos ordres. Ah, faut illustrer.
Prudence ! Rassemblement ! Hein ? Pourquoi personne ne vient ? Le capitaine Blackbear ! Abrutons sur ma peur ! Quoi, imbécile, vous n'êtes que deux ! Où sont les six autres ? C'est quoi ce laisser-aller ? Ordre de sa majesté, rhabillez-vous et trouvez la princesse ! Oh, c'est sûrement vrai. Et ouais, t'es toujours contre tout. Je vous ai dit de chercher la princesse, qu'est-ce que vous faites là ? Capitaine Weimar soir avec Perrine, la serveuse de la taverne. Je veux pas le savoir, allez chercher la princesse ! À vos ordres. Effectif des Plutos, capitaine Mike Mar, Blutch, Connell, Loda, Tugbon, Bayrod, Weimar, Hagen, Malgenheim. Il y a tant que je n'ai pas eu de courrier. Allez, une petite sauvegarde. Putain, on a 10 800 Gilles. On est pété de thunes. Une personne en blanc serait passée par ici tout à l'heure. Une personne en blanc serait passée par ici tout à l'heure. Et il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si on peut trouver des trucs avec lui. Je m'en rappelle plus. Je crois pas qu'il y ait d'objets dans son saran. Ça me fait pleurer. Et puis, ils en chôment pas ici. Les choses, c'est vrai. Qui sont, c'est la base de tout. Donc ça, c'est presque le même perso qu'on verra plus tard. Enfin, pourquoi il passe pas? Ah, d'accord. C'est Harry Fox, c'est peut-être ça sera pas ce soir. Mère excellente. Oh, j'ai faim. C'est tout ce que vous savez dire, c'est pour ça que tout le monde se moque de nous. Bougez-vous un peu. Eh bien, me taire si je peux avoir à manger, j'ai faim. Ouais, donc je confirme, il n'y a rien à choper avec lui. J'avoue, le concert de casserole, c'est assez drôle. Je peux pas faire tout le jeu en une fois, les gens. Ne pensez pas que ça sera possible. La princesse, je veux que je lui apporte des livres sur les chimères, mais il y en a beaucoup. Nous n'avons pas encore vu la princesse aujourd'hui. Grotte de glace avec son grotte couverte de glace éternelle. D'accord. Cette terrasse-fer a été donnée par notre ancien roi en l'honneur de la naissance de la princesse.
La recherche, comme vous le voyez, elle n'est pas chichée. Village de Dali. Village agricole proche de la frontière avec une... Attends, je savais pas qu'il y avait toutes ces infos sur la suite de l'histoire, en fait. Merde. Où est donc le manuscrit de Je vais tourner Gillon? La princesse veut que je lui apporte. Je suis plus militaire, mais je préfère passer mes journées avec les livres. La capitaine veut quitter les Brutus. C'est ce que tu veux? Mais c'était pas le moment, je cherche la princesse! Ah! Je me demande comment va Toto. Il était préoccupé de la princesse. Quoi? On dirait que la pièce a du succès, mais si je ne retrouve pas la princesse avant la fin, sa majesté va entrer dans une rage folle. Et Béat et ses troupes vont encore se moquer de nous. Pressons! J'adore regarder l'eau, ça me détend. Vous venez vous asseoir avec moi, capitaine? Mais c'est pas le moment! C'est sa majesté, nous devons retrouver la princesse, quoi! Mais c'est très important. Faites-moi confiance, je vais la retrouver. Je fonce. Ah, c'est Franck, plutôt sur la chaîne. Je n'ai vu personne. C'est Franck. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on poursuit nos anciens personnages. Tu veux pas venir t'amuser à traîner avec moi? Je ne sais pas. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Va chercher la princesse plus vite que ça! Oui, à vos ordres. Pas Steiner, c'est Breckman. T'as le mec qui tryhard, mais tellement, quoi. J'ai plus de souffle. Captain Breckman, vous aussi, vous allez là-haut pour garder la forme? Non, 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 tu cherches la princesse! Elle serait pas là-haut, par hasard! Je sais pas, je pensais monter jusqu'au haut, j'ai plus de souffle, j'en peux plus. Parce que vous avez déjà donné vos ordres Brutus. Pour l'instant, j'en ai trouvé que 7 sur 8. Vous avez vu les commères plus chez Connell, voyons voir. Encore le Dagre et ses beaux poèmes, voyons voir. Puis Vémar, qui connaît le nom de toutes les filles de l'avril. Puis aussi Hagen, qui connaît la vie de mieux que personne. Et Megalton, qui a gagné la course de porte-boule l'année dernière. Bon, ben, bon courage. Je n'en peux plus. Non, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Je dois chercher la princesse. Trop bien. Ah, là-bas. La princesse. Poursuivie par un brigand, j'ai mis à votre secours. Ah putain, les vidéos. Les vidéos de FF, ça c'était la putain de légende à l'époque. Tellement classe. Putain, un beat il a en mode what the fuck. À cette tête là. Trop classe. Tellement vénère le putain de Rekmar. Boum! Mort. Trop classe. Allez, où est-ce que le passé? Ah. Votre boîte, elle est plutôt jolie, non? Là, il faut le cas dehors, tout ce que vous voulez. Bête, qu'est-ce que tu fais ici? Il en est... Boum boum boum, mon tambour retourne tes tripes.
La voix d'Alphys, putain, ça va être trop compliqué. Mais pas comme ça. Ah, vous êtes qui, vous? Un instant. Dites donc, vous. Vous m'avez bousculé, vous excusez. Veuillez me pardonner, je suis très pressé. Ah, mais c'est que je me entends sur scène, moi. Pete, attends un peu, j'ai quelque chose à te dire. Cette fille est une calamité. C'est ça, mais là, je dois lui parler. Stop! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, Ruby, on verra ça plus tard. Qui c'est, cette fille? Cette pouf. Pff, ça y est, vous êtes calmé? On n'a pas vraiment sauvé le plan, mais on l'aurait quand même enlevé. Vous faites partie de cette troupe? Et voilà, elle a deviné. Peut-être le savez-vous, mais... En vérité... Je suis... Grenadier Alessandros, princesse d'Alexandrie. Ah, on peut lui donner un accent espagnol. J'ai une requête à vous présenter. Je sais pas si c'est espagnol ce que je fais, mais bon. C'est plus italien nul. Ne pourriez-vous pas enlever Sandele? Que quoi? Non, c'était pas prévu, ça. Ah, ils viennent par ici. Je suppose que vous avez raison. Faites-moi confiance, je m'occupe de tout. Merci, je vous en serai reconnaissante. Princesse, à présent, vous avez l'obligation de nous laisser vous enlever. Qu'est-ce que tu fais par ici, vite? N'ayez pas peur, princesse, c'est sinon, ami. Ah bon? Veuillez pardonner l'effronterie de ma surprise. T'as un utilisateur tout le temps. C'est vrai qu'avec une tête pareille, je surprends pas que vous. Quoi? J'ai pareil, je me lève tous les matins, moi. Viens par ici vite. Allez, souvent en l'œil. Portugaise bourrée, ton accent, c'est vrai. Il y a une roquette. Princesse! Princesse! Princesse? Princesse? Princesse! Princesse! C'est maintenant que t'arrives, toi! Pardon. Princesse! Je vais lui faire un... Et sinon, ça, tu n'as pas ce par ici. Tu crois ça? Hop! Et voilà! Trop bien. C'est moi qui l'a fait. Princesse! Allez, tout le monde dedans. Mais c'est... Enfin, laissez pas le truc ouvert. La princesse serait dans ce trou. Je j'y vais. Oh. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, t'es pas bien bougé. Ah, imbécile! C'était Franck. Il a rien vu. Une bulle. Allez, merci, on fait-moi une bulle. À la classe, sixième-moi. Allez, j'adore quand tu me fais des bulles. J'aime bien. Bien. Qu'est-ce que vous êtes en jeu, princesse? Je pourrais bien tomber amoureux. Je me suis entraîné pour faire le château jusque-là, et c'était pas trop difficile. Vous étiez vraiment parfaite pour être princesse. Eh, nous en parlons plus tard, allons-en. Tournez ma manivelle vers la gauche. Ça va pas, mais si cette machine est ralentie, ça tourne la manette vers la droite. Et maintenant, que faisons-nous? Le spectacle est bientôt terminé. Un truc à choper. Ah ouais. René. Entrons dans cette pièce. Stop! Princesse Nikan, Brakmar est venu vous sauver. Et papa, princesse. Parfait, Brutus. Ça, c'est du travail d'équipe.
tout va bien. Votre enlèvement se passera sans problème. Quoi? Qui es-tu? La princesse. Échoue. Il est en train de protéger la surveillance. Je sais pas quoi. À la base, je voulais voir ce que ça faisait quand merci, on s'appelait Jonathan quelqu'un San. Qui était mort. Jonathan San, Drissup pour le 4e mois, bravo. L'âtre que voulez-vous faire à votre... L'âtre, donc à vous... L'âtre que voulez-vous faire à la princesse? Ah, il a des trucs, je crois. Allez. Il y a peut-être un deuxième truc, non? Je sais plus. Donc on peut se mettre en auto, en accéléré. Ah, je me suis fait avoir la bonne blague, bam! Ah, j'ai horreur de ces bestioles! Fais tout de maman! Petite peluche. Relire. C'est aujourd'hui qu'on marie ma fille Cordelia au prince Schneider. Ainsi, le prince deviendra mon vassal et le royaume de Satoun sera à moi. Nous avons arrêté ce suspect. Oh, mais qui voilà, ne serait-ce pas Marcus? Serais-tu donc toujours amoureux de Cordelia? Quand bien même Cordelia serait-elle toujours amoureuse de toi? Elle n'épousera jamais quelqu'un de ton espèce. Quand les cloches auront sonné par 3 fois, je te referai disparaître à jamais. Ah, d'accord, parce que je savais pas. Ouais, mais après, parce que je vais forcément rater des trucs. Nous ne pouvons pas aller plus loin, qu'allons-nous faire? C'est ennuyé. Pete, prends la numéro 2. Compris. Princesse par ici. Ça ne passe pas comme ça! Oh. Trop bien. Encore un coup. Princesse? Faites comme si de rien n'était! Tiens, où suis-je? Cordelia. Comment? C'est Marcus, votre amant. Marcus! Ça sent impeccable. J'ai toujours aimé le théâtre. Continue à jouer, la reine Brané nous regarde. Marcus, je désespère être heureux. Je veux plus te quitter, emmène-moi où bon temps semblera. Relire, accepter leur amour. Jamais. Ah, tu ne veux plus le quitter. Jamais je ne t'y autoriserai. Cordelia, tu épouseras le prince Schneider. N'est-ce pas, prince? Qui? Bon, la princesse? Tuez-les tous. Ah! Ils sont trop forts, fuyons. Cordelia, rentre avec moi au château. Jamais! Je ne veux pas! Cordelia, ça suffit! Ne me contredis pas. Si je veux ce mariage, c'est pour toi, comprends-le. Je ne te laisserai pas faire, Lire. Revoilà le temps des impôts en mémoire de mes parents et pour Cordelia! Tu vas goûter de ma lame, à ma lame. Pourquoi? Je t'en ai regardé, non? Marcus, pardonne-moi, mais cet homme est toujours mon père. Cordelia! Princesse! Père, pardonnez-moi mon égoïsme et pardonnez à Marcus. C'est impossible, je n'entendrai donc plus la voix de Cordelia. Je ne caresserai plus sa peau si douce. Ma vie n'a plus aucun sens. Marcus! Là, c'est une pièce, Step 5, c'est pas confus. Faut suivre. Eh, je suis beau. Eh oui. Il a pleuré. T'as pas suivi le début, en fait, à mon avis. Step 5. Et en fait, oui, voilà. Eh oui, je n'y ai fait. Ah, c'est vrai, c'est vraiment bien. Oui. Attends, il faut encore rentrer par les toits. Allez, on s'en va. Où là-bas, arrêtez-vous. Un skiage. Je sais pas bien. Ah, mais si, dépêche-toi. Allez,
vous l'attrapez, voir. Pardonne à ton père. Princesse. Pardon. Stop, regarde-toi. Je n'ai pas... Beat Seller, les tantalas se tortillent. Pour ça, sur ça, on va. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend plus rien! Mike-Mar, ça suffit, arrêtez de me suivre. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je... C'est impossible, je ne peux pas! C'est que vous ne pouvez être obstiné, parfois. Laissez tomber... Laissez tomber, on en va. On s'en va, pardon. Princesse! Eh, ça va, tu n'as rien de cassé? Ça va, je suis juste un peu sauvé. Ah, arrêtez la princesse. Ah, arrête. Ah putain, je mélange toutes les voix, ça va être une horreur. Pas sûr si elle a des limites. Ah merde, je peux pas voler. Elle peut invoquer Shiva, Atomos, Odin, Bahamut, d'accord. Ah non, on peut pas voler. Tout ça pour ça. Paré au décollage. Là, il récupère son cheveu sur la bien. T'as un autre côté aussi. Très bien. En avant, ouah, et c'est parti! C'est parfait, on aura terminé l'intro du jeu dans le live. Quelques morts, rien de plus. Bam. Enfin plutôt boom. Shit. Fuck. Regarde derrière toi. C'est vrai que du coup il va pas regarder. Ça ne marche pas avec moi. Il est tellement fat derrière. La douce. Ah ouais, la contre-poison et carapace.
Pas de spoil hein, sur le chat. Ça sera puni par ban hein, les spoilers, je vous rappelle. C'est dans les règles, donc ça c'est simple. Ah, c'est vrai que dans celui-là, ils appellent ça une succube, ce qui n'a pas vraiment de sens. Et bam! Tellement fat. Oh, cette tête! Elle est bien heureuse, la salope. Petite danse de la victoire quand même. Ah, les traductions françaises dans celui-là, elles ont toutes changé. C'est pareil, normalement c'était que de Phoenix, des trucs comme ça, par René et tout. Il y a plein de trucs qui ont changé dans celui-là. Des fois pour le bien, parce qu'en fait ils ont traduit des trucs pas trop mal en fait, je trouve. Mieux que dans les anciens rayons. Les musiques sont vraiment superbes. Pas contente, hein. Ah ouais, les bambous. Autrement appelé les... C'est quoi le vrai nom? Je sais plus. Eh non, je suis d'accord, mais toutes les traductions françaises sont vraiment pas... Oh, ma chère cramée. Non, Dabnet, et c'est pour ça qu'on le fait en live. Fallait bien le... Quelqu'un le fasse à main. Putain, ce plan est tellement classe. Il pourrait être dans n'importe quel Final Fantasy. Cette cabine va... À dire que je voyais encore comme une cabine, je n'imaginais pas où j'étais téméraire. La pile passe. Ils sont encore opérationnels. Et bien sûr, ils sont au mieux de leur performance. Faut-il tuer la princesse Rena? Qui parle de la tuer? Il faut la ramener vivante. Ça c'est cool, les cutscenes avec le personnage. C'est lui la Lio. Genre ça c'est ouf quoi, vous voyez le personnage dans une cutscene. Et dans, même dans le set, vous pouviez interagir avec et tout. Pas de soucis, Dabnet. Tu seras prendre, tu sors de la pile. Aïe aïe aïe. Ça va, Sina, tu n'as rien? Moi ça va, mais c'est Prima Vista, c'est autre chose. Il a fallu qu'on s'écrase juste quand ça devenait intéressant. Jusqu'à maintenant, personne n'est sorti d'ici vivant. Chef, ça brûle en bas, ça flambe de tous les côtés, on s'en sort pas. J'ai pas le temps de m'occuper de pourtis pareil. Réfléchissez 2 minutes et dis-moi ça. Et n'oubliez pas d'évacuer les blessés. À vos ordres. Et sortez aussi toute la marchandise, les armes et tout ce qui peut être utile. Les années ça brûle, on pourra plus sortir d'ici. Compris, chef. Essayez vite le feu, je pourrais tout transporter tout seul. Je pourrais pas tout transporter tout seul. Bref, je pourrais pas tout transporter. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, tout va brûler. On l'a cherché partout, mais on trouve pas la princesse, je te dis. Si ça se trouve, elle est passée sous le vaisseau, je te dis. Perdre une princesse qu'on vient de relever, c'est un coup à se faire en prendre. J'adore l'ambiance. Peach, je savais bien que t'étais vivant. T'as l'idée aussi de se sauter de l'aéroplane en plein vol. Éjecté, les autres, ça va? Ça fait pas pour nous, on a l'habitude des coups durs. Le seul problème pour le moment, c'est qu'on trouve pas la princesse. Nikon. Ah, t'es vrai, t'as paru. Nikon, t'es paru comment? Avec des Tyvents, c'est le nom d'un système qui permet de voir ce qui se passe ailleurs au même moment, comment? Quand Nikon apparaît en bas à gauche de l'écran, je finis d'appuyer sur la touche. C'est là que, bon, à partir du moment où l'icône apparaît, vous pouvez appuyer sympa, donc à quel moment ça va, appuyer sur la touche machin. Je fais ici une scène, le gardien de la forêt. Et donc là, vous pouvez voir d'autres scènes qui se passent au même moment, c'est top, c'est des mini comme scènes. Ah, vous allez bien? Il va revenir? Ah, attention! Aïe aïe aïe, vous pourriez piloter plus doucement, qu'est-ce que je fais si mes sabots sont abîmés? Quel connard. Franck fouille l'intérieur, occupe-toi des aventures, je te dis.
Aïe, il y a du pertes, j'ai mal. Bam. C'est le plus grand coup dur de l'histoire des Tantalas. Je l'ai fait quand j'étais jeune. Il y a bien longtemps. Non ! Faut que je sauvegarde. Petite grenouille. Oui. Putain, les musiques sont tellement bien. C'est ouf. Mogliano, Mock Post. Je n'ai pas le temps de pas le courrier. Hop. Et voilà. On va avancer un petit peu dans la forêt quand même. On fera une petite pause. Enfin, on arrêtera juste après. Mais on essaie de déjouer un petit peu 10 minutes histoire de voir un petit peu ce qui se passe dans la forêt. Donc, on peut désactiver les rencontres aléatoires d'ennemis. Et regardez, on a vu sa carte tout à l'heure, vous rappelez ? Un gobelin, je crois. Donc, il y a toujours des trucs à voler sur eux. Vous pouvez voler, voilà. Et il y a des compétences de voleur. Moi, je vais mettre en auto. Hein. Voilà, et chaque combat, bien évidemment, que vous gagnez, apporte des points d'XP qui vous font monter des niveaux, qui vous donnent plus de points de vie, etc. Il y a aussi l'équipement. Donc, par exemple, là, je peux m'équiper de trucs, je pense. Voilà. Et donc chaque équipement va en fait, voilà, le poignet, le cuir, j'ai un autre truc, non, j'ai rien. Mais vous voyez en bas, il y a malandrin, 1 sur 10, galanterie, hold up, brasier, tout ça. Et en fait, ça va vous apprendre des compétences. Donc là, par exemple, malandrin, voleur, une fois que je l'aurai acquis, eh bien, ça sera appris. Alors, il y a des graphismes, mais il y a énormément de cheats qui permettent d'améliorer le jeu. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas envie de subir. Donc, c'est top. Donc, en gros, les objets, plus vous les gardez, longtemps plus vous acquérez les trucs. C'est horrible! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est horrible! Donc je vais essayer de vous montrer avec un autre combat. Bon, je précise qu'il n'est pas ultra chiant niveau combat aléatoire, je trouve, par rapport aux autres Final Fantasy. C'est un de ceux où je trouve que l'équilibre était relativement bon. Voilà. C'est vrai, Pangolin Coca. Il a oublié que vous avez l'avantage. Voilà. Et je peux aussi avoir un avantage sur les combats, hein, c'est le jeu. Non, un bon émulateur n'aura pas la même qualité parce qu'ils ont refait toutes les textures. C'est... Pour le coup, franchement, pour y avoir joué sur émulateur et jouer là, celui-là c'est mieux. Et il est adapté aux manettes aussi. Ce qui est top. Nativement, j'entends. Donc ça, c'est pas mal cool. Franchement, la version de Final 7, je suis totalement d'accord. Autant celle-là, bof. Voilà, donc je ne suis pas obligé de tricher, je peux simplement faire ça. Et en gros, je finirai par avoir assez d'XP pour être ultra badass, vous voyez. Donc là, je peux voler. Oh merde, attendez, j'avais pas vu. Ah merde, je vais voler, je vais mourir. C'est bon. J'avais pas vu ma vie. Et voilà. Je vais le faire jusqu'à monter d'un niveau. Et ça va être fini. Voilà.
Niveau 4, j'ai un objet. Je vais sauvegarder. Hop. Hop, voilà. Donc attention, sauvegarder ne vous rend pas de la vie. Hein. Je précise quand même. Et je crois qu'il y a un mode de combat qui fait que je suis immortel. Si je veux. Bien évidemment, on ne va pas tricher tout de suite, mais on pourra par la suite le faire. Pourquoi pas, parce que bon, ça peut être sympa. Voilà. Relâchez la princesse! Je pense pas qu'elle reprenne. Faut y aller. Je vais couper les intros de combat, parce que ça me saoule. Donc ça se barre avec couper les intros de combat, c'est pas le truc que j'ai aimé. Donc là je suis en transe. Et donc ça fait ma super attaque. Donc je deviens un homme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je me sens en bonne forme. Ça serait pas ça la transe? J'en avais entendu parler, mais... Faut libérer ses sentiments et... Allez, on va régler ça en 10 secondes. Ça me perturbe comment c'est fluide, en fait. C'est en 60 FPS. Pas tout le temps. Mais genre là ça l'est et ça me perturbe quand c'est méga fluide par rapport à... Rien à voler. Je sais plus ça fait quoi la transe en vrai. Est-ce que ça améliore juste mes dégâts ou pas? J'ai pas regardé ses PV. C'est bon. Vraiment que je regarde un peu plus. Ah oui, l'attaque spéciale d'un truand, voilà. Excusez-moi. Je ne l'ai pas fait parce que je suis bête. Pas de soucis. Ouais, c'est d'un truand, voilà. Donc là, par exemple, ça, je sais pas si... Voilà. Là, j'ai activé un truc qui fait que je fais 9999 de dégâts. Donc en gros, je peux couper les cours au combat comme ça. Ça, c'est cool. Princesse, non, princesse! What else? Il l'a emmené. J'avais trop peur d'utiliser la magie et maintenant elle va se faire manger. Je n'ai même pas été capable de défendre la princesse correctement. C'est trop tôt pour renoncer, c'est un serviteur du maître de la forêt. J'ai dû l'emmener dans le repère de son maître au fond de la forêt. Alors dépêchons-nous de le rattraper. Ah. Direct. Au secours. On va faire ça. Parce que là, je suis pas... Voilà. Le combat, c'est rigolo, mais pas tout le temps, je pense. Ah, et ben il fait brasier, lui, carrément. On dirait que la magie fonctionne. T'inquiète, Dudul, il va être one shot. Plus
putain de merde, mais comment vous avez fait ça? Bah non, je m'en fous du jeu, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus le côté scénario. Hop. J'ai eu peur. Ça va, t'as rien? Non, ça va. Attention, coach. Ah merde, c'est vrai qu'il crache de la merde. Princess. Tu pourras remercier Bit. Sans lui, t'étais bon pour le grand voyage. T'as pas été empoisonné, t'as été ensemencé. Si les bourgeons sortent, ils se transforment en fruits secs. Je vais mourir. Désolé de t'avoir fait peur, ce truc-là va tuer toutes les graines. T'as pas besoin de soucis, t'as pas de soucis à te faire. Ah, c'est quoi, c'est bizarre. Princesse, je viens vous sauver. Qu'est-ce que vous faites? Entre là, je t'ai dit. Rigole, la princesse a peut-être été dévorée par un monstre à l'heure qu'il est. Vous voulez que je l'abandonne? T'iras nulle part dans cet état, je te le dis. T'inquiète pour ma princesse, je m'occupe de tout, je te le dis. Ouf. Ah. Repose-toi, je te le dis. Et bois ça, je te le dis. Rigole, pendant ce temps, la princesse, je ne peux pas avoir confiance en eux ou leur chef. Même cet antidote est suspect, cette couleur, cette odeur, si ça se trouve, c'est du poisson. Et si je fais rien, je vais mourir. Bon Dieu. Mais c'est bon. Hors de question. Tu as bien vu que le bateau était entouré de monstres en tout genre. Et alors, ce n'est pas un problème si on y va tous ensemble. Il est blessé. Qu'est-ce qu'on en fait? On les emmène avec nous. Et comme ils ne peuvent pas bouger, en cas d'attaque, ils se font tuer. La princesse a son importance, mais les compagnons passent avant tout. Ponsin! Les Tantalas ne bougeront pas d'ici tant que les blessés ne seront pas guéris. Toute initiative individuelle est inutile. On abandonne une femme comme ça sans rien faire? Pour la peine, je vole ton paraco. Je t'ai dit que j'en pensais, et si ma réponse ne convient pas, tu peux partir. Hop. Un active time event. On s'en va. Ils m'ont laissé. On va lire le... On s'en va. Fut l'endroit... Je devrais pouvoir m'évader facilement. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Le poisson fait toujours effet. Qu'est-ce que c'est? Une poupée? Princesse Grena, 15 ans? Qui ose écrire le nom de la princesse sur une poupée aussi laide? Puis la princesse a 16 ans! De toute façon, elle est horrible cette poupée! Ils m'ont laissé. Ah merde! Ruby qui a été laissé comme une conne! Mais où sont-ils passés, hein? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Trop bien. Niveau narratif, c'est vraiment un des mieux, quand même. Et c'est là. Oh. Oh non. Je la trouve pas, ma poupée Grena. Elle est où est-elle? Je peux pas dormir sans elle. Oh. Je la trouve quand le vaisseau brûlait. Je lui ai donné un remède, il faut juste qu'il se repose. Tu devrais aller le voir, il peut te remercier. Il y a des plantes qui attaquent les gens. J'ai bien entendu dire que cette forêt était maudite. Poignée. Donc, ouais. Alors, attendez. Hop. Donc, par exemple... Ouais, non, là, ça sert à rien. Mais vous voyez, je peux changer d'arme, mais il faut faire gaffe, parce qu'après, je n'aurais plus hold up en bas, là, vous voyez. Pareil pour Malandre, hein. Donc faut faire vraiment gaffe à ça. Hop. De l'éther, c'est cool.
116 Jills. Pas mal. Merci d'avoir sauvé la vie. Je me remercie pas, c'est pas la peine, hein. Si t'avais pas été là avec ton argile, on s'en serait jamais sorti. Enfin, même si notre épée faisait 9999 de dégâts. T'as pas bien agréable pour te servir de la baniche noire. T'aimes pas qu'on dise que t'es petit? Tu savais te servir d'une super magie, il faut que t'aies plus confiance en toi. Tu sais, la valeur d'un homme se voit pas, ça dépend de ses rêves et de son cœur. Mais à cause de moi, elle... T'inquiète pas, fais confiance à Bit. Tu vas la sauver, hein, monsieur Bit. Oh là, pas de monsieur avec moi, appelle-moi Bit. D'accord, Bit. Tu as trouvé comment on allait la sauver? Non, mais tu me fais peur. Il pense que ça. Je lui ai promis de la sauver. Je suis même pas sûr de pouvoir le faire. Flashback. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment senti quelque chose de spécial. C'est peut-être le destin? Non. Alors qu'est-ce que c'est? Je m'inquiète moi aussi. Qu'est-ce que je fais pour la princesse? Je vais à son secours. Je ne vais pas réfléchir, je ne peux pas l'abandonner. Elle aussi, elle te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher la princesse avec le vieux. T'es sérieux? Tu connais pas le maître de la forêt, ce que je vois? Et en plus, le chef te laissera pas faire. On sait. De toute façon, personne pourra te faire changer d'avis. On va parler au chef tout de suite. Non, je vais d'abord aller là-bas pour voir ce qu'il y a. Le vieux est interdit dans la réserve. Je veux dire, il est calme, on l'entend juste râler de temps en temps. Eh bien, je vais aller sauvegarder. Ça sera la fin du live pour nous. Il y a des bruits bizarres. Je vais peut-être mourir aussi. Je t'attends. Merde, putain, mais je savais pas qu'il allait être là, moi. Tu vas le chercher, c'est bien ça. Je lui promets de l'enlever pour de bon. Je ne demanderai pas pourquoi. C'est une belle fille, tu ne pouvais pas lui rester. C'est une raison suffisante. Alors, t'as pris ta décision? Le règlement de Tantal est assez strict, tu n'auras pas de traitement de faveur. J'en sais tout ça. T'as l'air décidé, c'est bien. Viens dans la cale. Hop, potion. Ah, il y a bien un autre petit trésor là, non? Non. N'embêtez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il vaut mieux attendre parce que je crois qu'après on peut parvenir. Cuiro. Ah, cuiro, je sais pas si j'en ai un. Ah si, attends, c'est le chapeau. Je sais plus. Ouais, non, c'est le chapeau. Pour le coup, le cuiro, je peux changer parce que je peux pas apprendre la compétence. Même une fourmi n'entrerait pas, je te le dis. Allez, si, allez, je te le dis. C'est bon, si on va pouvoir sortir de cette forêt, c'est pas évident de terminer les environs. Et voilà. Sauvegarder. Et prochain live. On continuera cette aventure extraordinaire de Final Fantasy IX. Ouais, quasiment 2 heures de jeu, c'est pas mal. Vraiment très très cool. Hop, je sais pas comment on fait pour... Est-ce que ça sauvegarde... Ouais, je suppose que ça sauvegarde tout seul. Attendez, on va passer l'intro des combats.
Je vais sauvegarder. Parce que je vais pas sauvegarder ça. Alors attendez, dans le menu, il y a un truc que j'ai pas compris et j'aimerais bien savoir si c'est bien ce que je pense. Écran titre, sauvegarder, oui. S'il y a un truc de sauvegarde dans, sur un cloud ou je sais pas quoi, j'aimerais bien savoir si je peux l'activer. Ça m'aiderait beaucoup à donner du cloud, voilà. Et donc on va aller transférer nos save data in cloud. Voilà, comme ça en fait. Déjà, merci beaucoup, Neran. Je viens d'arriver. Qu'as-tu fait à mon jeu préféré, des... J'y joue. Voilà tout. Donc voilà, c'est bon. Hop, quitte le jeu. Voilà. Donc maintenant, la sauvegarde est bien au bon endroit. Tout va bien. Donc, ouais, je trouve que ça marche bien en live. Je trouve qu'il y a une bonne narration et... Et voilà. Donc encore une fois, moi je vous montrerai pas tous les combats et tout ça. Enfin, il y a certains combats que je ferai certainement, mais franchement ça m'intéresse pas vraiment. Moi c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse et le fait de visiter des endroits cool, etc. Après il y a certains combats que je pense que je ferai, mais vraiment pas tous. Voilà. En tout cas, c'était très sympa. Et du coup, ce sera vraiment le live de nuit qu'on fera régulièrement. On suivra les aventures de Bit, Dudule, et Mike Mar. J'ai hâte de faire la suite. Pour Final 7, j'aimerais bien le faire, mais... C'est compliqué. En fait, la version de Final 7 PC ne contient pas, je crois, les cheats. Et je crois qu'il n'y a que la version PS4 qui contient les cheats. Et je suis même pas sûr, en fait. Je vais vérifier. Parce que sans les cheats, c'est une horreur. Sans déconner, hein. C'est... Ah, alors, il y a des cheats pour la version PC, apparemment. Non, duplicate idem, non. Ah non, il n'y a pas de cheat directement, en fait. Non. Néo Midgar. Ah ouais. Bah franchement, FF7, on verra. Parce que je pense qu'on fera. Enfin, d'ici à ce qu'on finisse le 9 et que je puisse avoir le temps de faire Final 7, je pense que Final 7 épisode 1 sera sorti sur PS4. Parce que d'ici là, il y a Okami qui va très bientôt arriver. Là, Final 9, c'est mon jeu de ce soir, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est le jeu où, bah ouais, on sera la nuit, on veut pas faire un gros live, bah on fera ça. Okami, ce sera un vrai jeu. Et voilà. Il y a Okami, et après, il y a Ni no Kuni 2, peut-être. Je sais pas, hein, pour Ni no Kuni 2, je vous le garantis vraiment pas, parce que autant on fera certainement un live dessus, autant le faire entièrement, je ne sais pas, parce que c'est des jeux qui sont très longs. Et il suffit que le jeu soit moyen, au bout d'un moment, ça serait une horreur. Parce que par exemple, je prends l'exemple de Final 8, je ne veux pas le faire en live, parce que je sais qu'il y a plein de passages qui sont très moyens. Même si j'aime beaucoup, hein. Mais voilà. Alors que le 9 est quand même relativement bien tout le long, en fait. L'ambiance, au moins, est là, et l'intrigue est cool. Et puis encore une fois, avec le mode accéléré, on peut passer plein de trucs, cheater, tout va bien, quoi. Là, on l'aura pas sur Ni no Kuni. Et en autre jeu, il y a quoi d'autre qui va sortir? Il y a un autre jeu qui sort bientôt que... Final 15 sur PC, en fait. Je pense qu'on le fera. Parce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà.
J'espère que j'aurai le temps de jouer, moi, de mon côté, à putain de Wolfenstein 2, parce que j'ai toujours pas eu le temps de le finir. Et ça me fait un peu chier. Ok, mis le jeu qui m'a fait peindre Amaterasu sur un de mes murs. Bah, franchement, j'ai toujours voulu me le faire, jamais pu. Vous vous rappelez, en live, je voulais faire la version PS3 et ça n'était pas possible, tout simplement. Donc voilà. Est-ce que je suis intéressé par la VR ? Oui, mais je n'ai pas les moyens. Par contre, quelqu'un, je crois que c'est All-In, va me prêter en fait le PSVR. Donc on va y jouer sur PS4, tranquillou, ça va être cool. Et j'ai hâte de le faire. On va se faire, il y aura du RE7, bon, on fera pas tout le jeu non plus, mais on fera des passages. Il y a Rush of Blood, un truc comme ça, Until Dawn Rush of Blood, et j'achèterai peut-être 2-3 jeux VR à l'occasion. Alors, World of Final Fantasy, effectivement, est sur PC. Moi, je l'ai sur PS Vita, il est très sympa, mais ça reste pas ouf, je trouve. Par contre, là, j'ai Is 9 ou 8, je sais plus. Ça doit être 8. Is 8 qui est sorti, qui est sur PS Vita, je vous le conseille. Il est sublime sur PS Vita. Bon, il y a des petits ralentissements comme toujours, mais c'est vraiment ouf. Alors, je crois savoir que la version PS4 a quelques éléments en plus, mais elle est quand même tirée de la version PS Vita. Donc, c'est pas quand même le jeu le plus beau du monde sur PS4, ça doit vraiment faire mal. Et il est sur PC aussi. Mais les Is, je vous conseille vraiment, parce que du coup, c'est des Final Fantasy. Niveau ambiance, etc., niveau perso et tout, mais il n'y a pas du tout de combat au tour par tour, c'est des combats temps réel, vraiment fun, avec des systèmes de combos, machin et tout, et c'est vraiment cool, donc voilà. Ah mais Léon Tardis, il y a toujours des jeux qui sortent pure PS Vita, oui. YS, c'est vraiment cool. La version PS Vita n'a pas le contenu ajouté, donc c'est moins intéressant. Elle coûte aussi 20€ de moins, et a l'avantage d'être portable, et d'être parfaitement cool. Donc bon, le contenu ajouté est pas ouf, hein. Franchement, Dreyon, ça change pas le jeu de tout, quoi. Donc voilà, et tu peux quand même y jouer en français, avec les voix japonaises, donc ce qui est top. Ah non, Léon Tardis. D'ailleurs, c'est Léon Tardis, je dis Tardis à chaque fois. Bref. Non, elle n'est pas morte. Elle est en fin de vie, par contre, hein. Clairement, on va pas se mentir. Rien que cette année, par rapport à l'année dernière, il n'y a eu quasiment aucune grosse sortie, en fait. L'année dernière, il y a eu pas mal de grosses sorties. Mais là, franchement, c'est assez pauvre. Moi, j'ai acheté que Is. Ah, peut-être un autre jeu, j'ai vu. Il n'y a pas la VR sur PS Vita, non. Ada pour Tales of Berseria, je conseille de l'acheter sur Games Planet. Il est moins cher. Après, il était en promo il n'y a pas très longtemps. Maintenant, je ne sais pas s'il est toujours. Salut Lord Angel, bienvenue sur la fin du live. Oui, ne gagnons pas trop. V3, ouais, elle est sortie, effectivement, elle est très cool. Mais franchement, Léon Tardis, c'est vraiment une très bonne console avec vraiment beaucoup de jeux très très cool, des exclus vraiment top. Après, il y a, je sais pas si il y a PS Vita et Crack. Mais franchement, ça reste la console pour tous les fans de jeux Jap. C'est vraiment, t'as tous les jeux Jap quoi. Tu peux jouer à tous les Final Fantasy et tous les Resident Evil, tous les Silent Hill, quasiment. Sur ta console, quoi. C'est trop bien. Genre, moi, perso, Final 9, j'avais recommencé sur PS Vita, en fait. Et c'est ça qui m'a fait me dire, ouais, je vais arrêter de jouer. En fait, j'étais arrivé beaucoup plus loin. J'étais arrivé, en gros, après cette séquence-là, vous traversez une forêt, après vous arrivez dans un village, et j'étais après le village, en fait. J'étais même encore après. Je sais plus où j'en étais. Bref, j'ai joué pas mal, et en fait, j'ai fait, non, mais je veux le faire en live, il est trop bien en live. Donc voilà, mais il y a les Danganronpa, enfin voilà quoi. T'as jamais pensé à faire un let's play narratif travaillé avec l'Octopus de Assassin? Alors Debnet, il faut savoir que j'ai commencé à en faire un en 2013. À l'époque, c'était pour jeuxvideo.com. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez frustrant, dans le sens que il suffit que t'aies une erreur de capture, un truc comme ça, machin, et t'es vite niqué quand même. Et vu que c'est quand même facilement arrivé et que j'ai pas un matos de ouf par rapport à ça,
En fait, l'idéal, ça serait d'avoir une carte de capture qui capture le PC. C'est faisable, hein, c'est pas très cher non plus, mais j'ai pas ça. Du coup, j'ai abandonné l'idée. Voilà. Et je préfère franchement faire des lives et me concentrer sur mes créations perso. Voilà. Non, Léon Taris. Mais franchement, bah, tu vois, cette année, la 3DS a eu beaucoup plus de sorties intéressantes que la PS Vita, hein, clairement. Alors que c'est pareil, la 3DS est une console morte. Il n'y avait quasiment aucune sortie. Et, enfin, ça, pour le coup, la 3DS, ça fait vraiment plusieurs années où il n'y a pas beaucoup de sorties en dehors des jeux principaux. Genre, tu vas avoir un Pokémon, tu vas avoir machin. Mais cette année, il y a eu Pokémon. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais surtout, le jeu Mario, il y a eu le jeu Metroid. C'était cool, ça. Nierko, c'est quoi que tu dis? Genre, si j'en paye une 9, maintenant, c'est mort, quoi. De quoi? Ah, si elle est crack, je sais pas. Mais en fait, ce qui est cool sur PS Vita, c'est que t'as quand même les soldes très régulièrement où tu peux avoir des jeux vraiment pas chers, quoi. Contrairement à Nintendo où, franchement, c'est les soldes sur les jeux physiques, quoi. Mais sur les jeux... Voilà, quoi. Bah, le truc, c'est que la 3DS, ils vont arrêter la prod, donc au bout d'un moment, il n'y en aura plus, quoi. Ouais, franchement, Mario Luigi Superstar Saga, c'est un très bon remake. Si vous n'avez pas eu la chance de le faire, même moi qui l'ai déjà fait sur GBA, j'ai envie de le enfin, je l'ai refait sur 3DS. Non, franchement, c'est deux très bonnes consoles, la 3DS et la PS Vita, mais je préfère la PS Vita parce que je trouve que c'est une console plus agréable, en fait. Et je trouve qu'il y a plus de jeux ouf, en fait. Juste le fait de... Bah là, par exemple, je joue à Alundra. C'est tout bête, mais Alundra, c'est vraiment un de mes jeux favoris de la PS1. J'ai jamais eu l'occasion de le refaire, et là vous pouvez jouer, il est parfaitement cool, il marche très bien, et vous jouez n'importe où, quoi, dans le train et tout, c'est cool. Moi, c'est mon jeu de transport en commun, quoi. Donc quand je fais des covoites, des trucs comme ça, c'est le jeu auquel je joue à Alundra. Et c'est top. Vous avez aussi les jeux PSP, les jeux PS Vita, qui sont vraiment cool pour certains, enfin voilà quoi. La PSP est vraiment en dessous, quoi. C'est pour moi la PSP est vraiment pas ouf. Alors Drillon, il faut savoir que je n'ai pas fait les soldes de cette année de la PS Vita parce que j'ai déjà tous les jeux que je veux. Donc voilà. Donc voilà. Mais maintenant, si tu veux pas une PSP, PS Vita, tu peux prendre la PSTV qui coûte rien et tu peux avoir quasiment tous les jeux PS Vita. Mais ça vaut le coup parce que franchement, t'as juste à le pencher sur un écran, c'est un petit boîtier comme ça. Et c'est top. Enfin, moi, c'est ce que je pensais aller faire en live, bon, j'ai pas eu le temps. Mais pourquoi pas. Ah, mais Crisis Core, tu peux y jouer. Enfin, en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que tu peux y jouer sur PS Vita. Tous les jeux PSP sont sur PS Vita. Enfin, pas tous, mais quand même une grande majorité. Mon jeu Game Boy préféré Game Boy, je pense que c'est Pokémon. Enfin, c'est soit Link's Awakening, soit Wario Land 2, si je me trompe pas, soit Mario Land 2, que j'ai ici, quelque part, que j'ai là. Il est tellement bien. Soit, comment il s'appelle, sur Game Boy, putain. Merde. Attends, Pokémon, Mario Land... Bah, il y a Pokémon Pinball 2, enfin 2, et Pokémon Trader, enfin Card Trader, qui était cool. C'était quoi Oui, la PSTV. La PSP est géniale... Ouais, Tetris est cool, mais bon, pas si ouf que ça pour moi. La PSP est géniale, car elle est légère de ouf, c'est bien pour les émulateurs. Bah, la PS Vita, à mon avis, elle aura possibilité de faire ça. Mais... Tout à fait, il n'y a pas tous les jeux qui marchent. Par contre, il y a eu un crack relativement simple à faire qui permet d'activer quasiment tous les jeux qui n'étaient pas activables de base. Après, pas ceux qui ne sont pas activables à cause d'une technologie. Mais il faut savoir que les trucs du pavé tactile, il y en a quand même quelques-uns qui sont compatibles avec le tactile de la manette de PS4. Parce qu'on oublie le fait qu'il y a un pavé tactile sur la manette de PS4. Mais voilà. Et Pokémon or, oui, rouge, bleu et or, argent, évidemment, les meilleurs. Eh ben écoute, merci à toi, Pangolin Coquin. Bon, demain soir, on va certainement continuer FF9.
Je ne sais pas à quelle heure, mais certainement à 22h, encore une fois. J'ai suivi l'évolution du crack Vita de A à Z depuis Rejuvenate, et c'était incroyable. Ah, c'est intéressant, ils font des trucs de ouf. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain soir pour la suite de ça. J'essaierai de faire un générique entre-temps. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous partout. Avouez que ça fait presque vraie fin de live quand je baisse le son comme ça, non? Ça le fait, hein, on dirait un vrai générique, hein. Putain, c'est ouf. À demain.